Dans le 6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Vous rêvez de rentrer dans un magasin, d'acheter ce que vous voulez pour 1000 euros, eh bien je vous l'offre juste après les infos sur Énergie. Alors. Bah oui, j'ai eu un petit bug. J'ai eu un bug de voix. On va s'écouter John Noval aussi, il y aura Avicii, vous êtes préférés, ils sont là, c'est Manu dans le 6-9. Bienvenue, 8h32, oulala, on est en retard. Actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, une nouvelle journée agréable pour ce mardi avec des températures qui le seront tout autant cet après-midi. Sous un soleil à peine masqué par 2-3 nuages, les températures vont grimper jusqu'à 23 degrés. Il fait un peu frais ce matin, 10 degrés de suite à Avignon, 9 pour Lille-sur-Sorgue. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Center Fête, le spécialiste de la fête au Pontet. Une nouvelle grève sur les rails, cette fois deux des principaux syndicats de la SNCF dénoncent une réforme au niveau européen. Les perturbations commenceront ce soir à 19h pour se terminer jeudi à 8h. Deux TER sur 5 sont annoncés en PACA sur l'axe Avignon-Lyon, 1 sur 2 sur l'axe Marseille-Avignon-Bolène avec 20 autocars en renfort. Le trafic des TGV sera normal. Enfin les intercités 2 sur 3 en journée et aucune circulation la nuit. Dans l'actu également, un militaire retranché chez lui hier après-midi rue des Lières près de l'avenue Montclar à Avignon. À la base, les forces de l'ordre venaient pour le cueillir chez lui alors qu'il n'avait pas répondu à plusieurs convocations pour s'expliquer sur des faits de violence auprès de son voisinage. L'individu qui n'était pas armé a été délogé en début de soirée. Il a été placé en garde à vue au commissariat. La sécurité routière, le nombre de morts a fortement baissé grâce à la multiplication des radars fixes. Radars qui rapportent gros, environ 800 millions d'euros par an. Ça coûte cher aussi, 220 millions à cause de la maintenance ou encore du vandalisme. Dans son enquête publiée hier, le magazine Auto Plus s'attaque de son côté au dodane. Un tiers des ralentisseurs en France ne serait pas conforme car trop haut, trop court ou mal placé. Soul le week-end dernier, Zaz ce samedi, les passagers du Zinc, salle de musique actuelle, organisent les meilleurs concerts d'Avignon. La nouvelle saison vient tout juste de débuter, mais il n'y a pas que de la place pour les têtes d'affiche. Les jeunes talents sont également au programme. Gaël est chargé de com' aux passagers. On va dire que c'est des coups de projecteur sur la scène locale. C'est des choses qu'on aime bien faire, donc à la fois via les soirées avignonnaises qui s'appellent maintenant les Local Airlines, mais aussi via des apéro-concerts. Sur certains jeudis de l'année, on ouvre à des groupes locaux qui viennent faire une résidence, donc travailler le son et la lumière dans la salle pendant 3 à 4 jours, puis se produire sur la scène des passagers pour leurs collègues ou des gens qui s'intéressent. C'est des entrées gratuites. Ça nous paraît important de laisser cette porte ouverte à la création sur Avignon. La prochaine soirée des passagers, c'est donc samedi avec Zaz. Son concert à la salle de l'étoile de Château-Renard affiche complet. Toute la programmation des passagers sur le net, www.passagersduzinc.com. 8h35, Manu dans le 6-9, sur Énergie, bon début de journée. C'est moi. Oui. Vous venez de vous lever? Ah, bougez votre cul, il est 8h35. Oh, alors, ça veut dire quoi? Soyez les bienvenus sur Énergie, on est mardi, c'est le 8 octobre, c'est Manu dans le 6-9. On est là comme chaque matin avec vous dans le studio. Mélanie est à mes côtés. Coucou. Aurélien est au standard. Salut. L'équipe est là. Bonjour. On va s'écouter Avicii, il y aura John Maman. Vos hits préférés sont là évidemment comme chaque matin dans moins de 10 minutes. Retour du Super 06, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie avec un message surréaliste d'un homme à ne pas manquer, un homme qui se croit dans un film porno. Oui. C'est ouf. Ça arrive dans moins de 10 minutes pour vous. Je vais vous offrir 1000 euros de course grâce au biscuit Nutri-Grain de Kellogg's dans quelques secondes. Mais juste avant ça, si vous n'êtes pas au courant, cette semaine sont décernés tous les prix Nobel. Oui. Et ça a commencé hier, ils ont décerné le prix Nobel de médecine. Oui. Le prix Nobel de médecine 2013 a été décerné à James Rothman, Randy Shekman et Thomas Sudoff. C'est deux Américains et un Allemand qui ont fait des recherches. Et ils ont eu le prix Nobel pour leur découverte sur le mécanisme de régulation du trafic vésiculaire, un système de transport majeur dans nos cellules. Wow. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on sera pas prix Nobel. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Jennifer est avec nous au téléphone. Bonjour Jennifer. Bonjour Manu, bonjour l'équipe. Tu m'as appelé au 0870 42 48 parce que oui, tu as un rêve. Rentrer dans un magasin et t'acheter ce que tu veux pour 1000 euros, c'est ça? Exactement. Eh bien ton rêve, je vais le réaliser maintenant, Jennifer. Oh,
grâce à nos amis de Nutrigrain de Kellogg's, qui ne sont pas les derniers pour offrir 1000 euros de course. Je dirais même que c'est les premiers. Ah, les Nutrigrain, on n'en a pas assez parlé. Parce que ça fait plus de 2 semaines maintenant qu'ils nous permettent de vous offrir 1000 euros de course. Je vais vous dire un bon truc. Oui. Les Nutrigrain, j'en mange 10 le matin, 10 à midi, 25 le soir. J'en bouffe, j'en plante dans les poches. Et vous savez quoi? Ça fait 2 semaines que je me douche au Nutrigrain. Ah, carrément, c'est donc ça. Ouais, ma voiture, j'ai été la laver. Ouais. Pas au Karcher. Non. Je la frotte au Nutrigrain. Ça nettoie même la voiture. Tes cheveux, Mélanie, sont un peu sales. Tu devrais les laver au Nutrigrain. D'accord, j'y vais de suite. Bien, évidemment. Jennifer. Oui. C'est 1000 euros de course, ils sont pour toi si tu réponds juste à ma question. Tu es prête? Oui, je suis prête. Écoute bien, comme chaque jour, une question à la con. Si je me couche à minuit et que je me lève à 8 heures, combien d'heures ai-je dormi? Je réfléchis. Je dirais 8 heures. Ouf, tu m'as fait peur. 8 heures, Jennifer, c'est évidemment la bonne réponse. Jennifer. Jennifer, tu vas aller dans les magasins et tu vas t'acheter ce que tu veux pour 1000 euros. C'est énorme. T'as quel âge, Jennifer? 27 ans. Dans une semaine, 27 ans. Et je t'offre ton âge en paquet de biscuits Nutrigrain de Kellogg. Oui, 27 paquets. Merci beaucoup. Tu sais quoi? Non. Tu me fais plaisir, Jennifer. J'ai multiplié par 2. 27 fois 2, ça fait combien? Waouh. Ça fait 56. Non, 54. 4. Je vais t'envoyer 54 paquets Nutrigrain de Kellogg. T'en auras tellement chez toi que tu pourras même plus dormir dans ton lit. Je t'embrasse très fort, Jennifer. Bravo merci à toi. Beaucoup, je vous embrasse. Merci beaucoup. Belle journée. Merci beaucoup, je vous embrasse. Et ça continue comme ça toute la semaine. Vous aussi, ça peut vous arriver. 1000 euros de course à gagner grâce au biscuit Nutrigrain de Kellogg's. Voici John Maman sur Énergie. C'est Love Life et juste après, retour du Super 06.